Donc nous nous trouvons ici sur le site du Val-Saint-Lambert à Serein, en province de Liège. C'est un endroit qui a accueilli depuis bientôt 200 ans la plus grande cristallerie qui n'ait jamais existé au monde, jusqu'à 6000 travailleurs sur le site à la plus grande époque. Et sur ce site, on peut découvrir un atelier de démonstration, la cristallerie en question, le château qui accueille le musée et un business center, ainsi que le syndicat d'initiative. Alors dans le musée, nous avons plusieurs entités à découvrir. Nous avons d'abord toutes des vitrines interactives qui représentent les plus belles pièces de l'histoire de la cristallerie. Nous avons un film historique qui dure plus ou moins 15-20 minutes qui retrace l'histoire de la cristallerie qui s'appelle Mémoire de Verrier avec des témoignages d'époque, etc. Nous avons 5-6 sculptures monumentales qui ont été réalisées par un artiste du Brabant Wallon qui s'appelle Bernard Tirsio, qui est un romancier mais aussi grand artiste verrier. Et là, ce sont des sculptures telles qu'un igloo, un orgue, un kaléidoscope à grandeur très très grande et qu'il est vraiment très intéressant de découvrir. Et puis pour terminer, nous avons en cave, dans les sous-sols, un parcours spectacle qui retrace l'histoire du verre depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, je dirais même depuis l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours. Et là, c'est diverses petites scénettes qui sont animées d'un audio guide et qui permettent de découvrir les diverses applications et les diverses découvertes qu'il y a eu au fil du temps.